Emily, we trust. L'arme fatale a encore frappé. On ne triche pas avec l'art. Emily, we trust. Vous êtes en train de suivre toute la Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Cabanga contre Portugal. Viva o Tupamaros Torcida Verde. No tema Pembe vai ganhar na terça-feira. Le Darien Uni est imbattable. Devise Nabisso. Heureusement qu'il le garde bien, super ballon, le contrat, superbe but. 13 ans Poutou Mabi, le capitaine qui fixe deux défenseurs, qui s'amuse avec eux, qui trouve Samantha, qui lui aussi va rester sur ses appuis. Et ce petit bijou en retrait, le contrôle derrière, et Kanda qui marque. Kanda qui va faire quoi, Deo? Il est passé Deo, qui est passé là. Like sa pointe de vitesse, ses dribbles chaloupés ainsi que ses passements de jambes à la Ronaldo fait de lui un des joueurs les plus adulés actuellement. Que ce soit chez les Corbeaux Louchois ou à la Nationale, Deo Kanda Amkok reste un véritable poison pour les défenses adverses. Avant de déposer ses valises au TP Mazembe, deux saisons déjà, Deo Kanda Amkok a connu un parcours ordinaire. Déjà trésor dans sa commune native d'Njili, en passant par les deux clubs Motema Pembe. J'ai connu mes débuts en football au sein de la jeunesse athlétique Club Trésor. En abrégé, Jacques Trésor, c'est une équipe qui évolue à Kinshasa dans la commune d'Njili. Chez les Immaculés du Daring Club Motema Pembe, Deo Kanda aura été l'un des joueurs de sa génération à avoir marqué d'une tâche indélébile autant par ses prouesses que par sa qualité. Avec les teams vert et blanc de la capitale, il a remporté plusieurs titres, dont celui de la Ligue nationale de football. Après ses cinquièmes sacs, comme un boulet de canon dans une forteresse d'épée, Deo Kanda signe avec les noirs et blancs de la ville cupifère. Un transfert que les Deringmen n'ont jamais digéré. Sitôt arrivé dans la province du Katanga, Deo Kanda Amkok fait face à un effectif plus étoffé et aguerri. Conséquence, Deo Kanda est obligé de cirer les bancs ou de regarder les matchs dans les gradins. Cette situation crée un doute dans les chefs de Deo Kanda au point qu'il nourrit même l'ambition de quitter le Lubumbashi. Finalement, le salut de Deo Kanda viendra après le départ du franco-italien Diego Garzito et l'arrivée du franco-sénégalais Lamine Mamadou Ndiaye. Ces derniers, enfin techniciens, voient en Deo Kanda plusieurs qualités qui peuvent booster l'effectif et ramener des victoires. De plus en plus titularisé sur les flancs gauches, Deo Kanda sème la zizanie dans les défenses adverses et rembourrique de nombreux défenseurs illustres. Avec Deo Kanda, le TP Mazembe signe un doublé historique dans la plus prestigieuse compétition interclub africaine, en allant même signer le but égalisateur au stade des Rades de Tunis. Comme sorti d'apothéose, Deo Kanda Mokok accompagne le TP Mazembe dans un parcours héroïque en Coupe du Monde de Club à Abu Dhabi. Un véritable sacré challenge. Deo Kanda reste un élément moteur dans l'effectif Corbeau qui, avec un éclair de génie, peut basculer toute une rencontre. Ses qualités multiples sont connues de tous, à tel point que son capitaine de TP Mazembe ne tarit pas d'éloges pour lui. Le seul conseil que je lui ai toujours donné, c'est d'être sérieux sur le terrain de football. Non, c'est un petit qui monte, c'est un bon joueur, il peut nous faire mieux là où on va. À tout moment, il peut nous faire mieux. Avec la nationale, Deo Kanda connaît des moments magnifiques. Champion du CHAN avec le Léopard en 2009, quart de finaliste avec la même formation au Soudan, Deo Kanda Mokok a fait figurer de grosses légumes au sein de la formation de U-23, doublement engagé aux JO Londres 2012 et aux Jeux africains de Maputo. Après un bref passage sous forme de test au sein de la formation belge de Bechkok, Deo Kanda Amkok rêve d'embrasser le professionnalisme. Vous savez, tout commence par un rêve. Aujourd'hui, je peux dire que mon rêve se réalise petit à petit. Toutefois, ma grande ambition est de jouer le football dans un grand club européen.
Pour la troisième fois consécutive, le TP Mazembe joue la très lucrative phase de poule de la Ligue des Champions africaines. Ainsi donc, Deo Kanda reste l'un des joueurs sur qui reposent les espoirs des Corbeaux pour un troisième sacre, sacré challenge. Aris Mavinga, notre correspondant permanent en Tunisie. Tupac, le Moudjahidine du sport congolais.